18 au 27 février, c'est les rendez-vous du cinéma québécois présentés par la SAQ en collaboration avec Radio-Canada. Les rendez-vous, c'est plus de 330 films, 125 primeurs, 30 événements gratuits, des leçons de cinéma avec Pascal Bussière, André Turpin, Philippe Falardeau, les gars de série noire Jean-François Rivard et François Letourneau. Les rendez-vous, c'est aussi 10 nuits éclatées pour célébrer notre cinéma avec, entre autres, les parties New Wave, Laxex, Eman & Flooper et toute une programmation pour la Nuit Blanche, le Elvis Graton Picture Show, présenté par Le Casino, co-présenté par Belle, ainsi que le méga party Nuit Blanche Série Noire. Rapprochez-vous de votre cinéma sur québeccinéma.ca. Sois pas plus catholique que le pape et réserve tes dates pour la cuvée d'hiver. Profite du meilleur de Montréal à la 4e édition de la cuvée du 25 au 27 février prochain. Dans une ambiance rétro, bière, whisky, cocktail, bonne bouffe et musique seront au rendez-vous. Au programme sur la scène Saint-Ambroise, Kate Bliss, Hellbound, Hepcats, Loose Pistons et DJ Don Mescal pour vous faire swinguer toute la soirée. Du 25 au 27 février, il va y avoir du monde à Abyss au salon 1861 dans Griffintown. Il est disponible en prévente au lacuvée.ca. Pour la première fois, des étudiants de l'UQAM s'associent et organisent le mois de l'histoire des Noirs. Du 25 au 28 février, venez célébrer ce mois du savoir et de la découverte. Au programme, impact de la femme noire en Occident et en Afrique. Samedi 27, à partir de 16h, la diffusion en exclusivité de la série documentaire Afro-Canadien. Et enfin, dimanche, un panel de parcours inspirant. Le mois de l'histoire des Noirs, du 25 au 28 février. Pour de plus amples informations, suivez notre page Facebook Migra Luventa. Mesdames, messieurs, les amèches, vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte sur choc.ca. Non, ta bouche que je chie. les ondes. Les ondes. En ongles. Yeah. On va se faire canceller, c'est sûr. Ben ouais, j'en encore. Encore. Pas un show de nuit. Décidé, 300e émission, 12 mars 2012. Très content d'être avec vous cette semaine. Je pense qu'on va avoir la meilleure émission, honnêtement. Là. Oh. C'est clair. C'est ever. Je le sens. Il y a quelque chose dans l'air. Il y a quelque chose. Là, je sais pas si. Ben, c'est peut-être parce qu'on est le 12 mars 2012. Ou... Ah, peut-être. Ça porte chance. Alors, en parlant de porter chance, mon croupier préféré, Mathieu Niquette et des nôtres. Salut Mathieu, ça va? Je suis malade. Oh non! Complètement malade. T'es-tu malade ou tu chantes ta chanson? Je suis très malade. Ah, qu'est-ce que t'as? J'ai dormi 45 minutes cette semaine parce que j'étais à la fois en intensive pour ma répétition de théâtre au Collège de Valleyfield. On joue le rhinocéros du 13 au 16 mars prochain. On va aller voir ça. Fait que là, j'ai essayé de faire quelque chose, d'arranger quelque chose avec mon horaire de nuit au casino puis mon horaire de jour à l'école au cégep. Mais là, ça a fait en sorte que j'ai été obligé de rester 3 heures de plus puis j'avais déjà prévu que j'avais juste 4 heures de sommeil. Fait que j'ai dormi 45 minutes de mardi à mercredi. Puis ça continue de même jusqu'à aujourd'hui. Puis là, je suis un peu malade à cause de ça, je pense. Ouais, tu me réveillerais quand c'est intéressant. Okay. Merci beaucoup. Ensuite de ça, il y en a qui dorment. Oui. Ben non. Étienne Forêt. Salut. Hey, comment tu vas? Ouais, super bien. Ça a l'air que c'est une grosse soirée pour ton fils hier. Oui. Très grosse soirée. Puis finalement, si tu. Peu de détails. La fille était partie. Oh, il y avait une fille. La fille était partie quand je suis arrivé. Étienne a laissé son fils seul à la maison avec une fille pour aller manger chez Sophie qui nous avait tous invités. Puis, pendant ce temps-là, lui, on ne sait pas ce qui se passait. Je vais peut-être trop loin, mais ça sentait quoi quand t'es revenu? Écoute, j'ai pas d'odorat, Mathieu. As-tu senti ses doigts? C'est vrai. Mon Dieu, Seigneur! Mais qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, c'est Julien Poulin. Je suis l'esprit fou. Ah, OK. Ah, c'est tout. Bonjour. Et là, je suis l'esprit fou et je demande à décider d'amasser au moins
500$ avant la fin de l'émission. Sinon, je vous spoil la fin de House of Cards. Ah, oh, non! Il faudrait juste pas prendre les appels. Je suis l'esprit fou. Ouais, c'est vrai. Hey, monsieur l'esprit fou, moi, j'ai juste une question. Moi, j'avais une théorie qu'il y avait 13 épisodes par saison. Non, mais ma théorie, c'est qu'il y a 13 épisodes par saison. Dans un deck de cartes, il y a 52 cartes. Fait que d'après moi, c'est la dernière saison cette année. Parce que 13 fois 4, ça fait 52. Moi, je pense que, tu sais, on monte un château de cartes puis il s'écroule à la fin. Ça serait pas fou. C'est ça, ma théorie de House of Cards. Mais là, à date, on est rendu dans la saison de pique ou la saison de cœur. Comment tu sais, t'es dans la saison? Ben, vu que ça devrait crasher à la fin, moi, je pense que c'est la saison de pique. C'est on finit avec le pique. C'est une belle théorie. C'est pas pire. Je pense que ta job de transformer. Non, mais ça, j'avais pensé à partir de la deuxième saison, c'est là que j'ai réalisé qu'il y avait 13 épisodes par saison, puis que c'est un multiple de 52. Avec nous, Maxime Gervais aussi. Hey! C'est toi, à quel âge tu as fait l'amour pour la première fois? 19 ans. Puis c'était comment? Bah, je me souviens pas. J'ai sûrement déjà parlé en nombre mille probablement. Fois. Probablement. Ouais. On a plus beaucoup de secrets avec les ans. Non, hein. L'astrologue. Sophie, à quel âge tu as perdu ta virginité? Je pense que c'était 13. Oh, mon 13. Dieu! Ouais, si avec bon un gars plus vieux, c'était mon pas mon doux Sophie! Ouais, ouais. C'est ouais. Al qui a fait ça! Comme non, si Al avait le même âge à l'époque. Il restait de même. Il y a 13 ans, c'était un mariage forcé. Non, non. Et effectivement, Sophie a traîné son mari. Al est avec nous. C'est vrai, c'est son mari. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Bah, ça va, là. Le cool café que je bois... Ouais, est-ce bon? Non. pas du tout, mais... Je raconte pas. D'ailleurs, on vous dit que les cafés au McDo sont gratuits. Ouais. Oui, ouais, mais qu'on ne boit pas dans le studio. Non, bon, non, non, on boit pas en studio. Les cafés qu'on a bu avant est bien ordinaire. C'est ça, effectivement. Bon. Fait que voilà, des grosses semaines. D'abord, je commence en nouvelle brève. Je revenais avec mes prédictions box-office que j'ai faites il y a des mois. C'est vrai? Des mois, en novembre. Je suis revenu là-dessus. C'était en novembre. As-tu vu la demande spéciale qu'on a reçue d'ailleurs à ce non, sujet? Non, j'ai pas vu. Et on a une demande pour, je pense, sur le post, c'était... je pense que tout le monde attend impatiemment ton box-office de Ghostbusters. De Ghostbusters, il y a trois personnes qui m'ont écrit par rapport à ça. Tu vois, les gens, ils l'aiment ta chronique. Ils adorent ça. Il y en a trois au moins qui l'aiment. Ghostbusters, je dirais pour l'instant... Attends, j'ai pas mon crayon, là. Ah, ben non, mais... un instant. De toute façon, je pense que c'est trop tôt pour se prononcer. Ouais. J'ose pas le faire. Bah là, il y a 11 ans. Ouais, non, c'est que... Je pense que c'est en même temps le genre d'affaire que tout le monde est très, très curieux. La nostalgie est là. Ça, voir Jurassic World qui fait 1,6 milliard, c'est pas aussi gros que Jurassic World, évidemment. Mais il y a l'aspect nostalgie est through the roof, là. Par contre, tout a été reçu avec cynisme à date, jusqu'à la bande-annonce, la nouvelle bande-annonce que tout le monde a l'air de pas aimer. C'est pour, ben, sur Joël Martel. Sur Joël Martel, oui. On postera sa vidéo sur notre page. Ben oui, absolument. Ouais, ben oui. Je pense pas qu'elle est si mauvaise, mais pas très drôle non plus quand même. Là. Fait non, on réinvente rien, disons. Non, ben c'est comme un remake finalement. Fait que je sais pas, il est trop tôt. J'imagine, je peux pas croire que ça floppe. Je peux pas croire que le monde aille pas le voir par curiosité. Ouais. Mais... C'est Dodo qui disait, tu sais, il dit, on va faire un Ghostbusters où est-ce que les filles vont être là pour montrer l'empowerment des filles. Bonne idée, puis on va mettre le top du char rose nanane. Ouais, effectivement. Fait que je pense qu'il, je sais pas, je dirais peut-être 200 millions. Ce qui serait honorable, mais tu sais, c'est un film qui en a coûté 170, qui est un peu... Je sais juste pas faire 30 millions, là. Ouais, ben, non, ben, ils font pas exactement ça. Un million ça, par année d'attente. Il y a, ouais, le studio ramasse la moitié d'argent, le cinéma ramasse l'autre, il y a les prix de marketing, les mises en marché du film, tout ça. Peut-être les figurines. Les figurines, ils vont vendre des figurines. Ouais, c'est ça. J'avoue qu'il va y avoir de la gogo. Pas si les gars vont acheter des figurines. Voilà, c'est Sophie qui a les chiffres devant toi. Alors, qu'est-ce que j'avais dit? Peanut de movie. T'avais dit 175 millions. En effet. Ça en a fait 130. Belle déception. Ben, j'étais pas super loin, mais ça l'a un peu déçu. Puis aussi, c'est très nord-américain comme franchise. Fait que ça n'a pas fait vraiment d'argent outre-mer. Fait que ça a fait au total 250 millions sur 99. Qu'est-ce que t'en penses, Maxime? Ben, je disais que c'est parce qu'ailleurs, ils mangent des arachides et des cacahuètes. Ouais, je pense qu'ils mangent des pistaches. Pousse pas ta loque, Gervais. Pousse pas ta loque. Ben, des pistaches Montréal. Il est tôt pour faire le nono. Bon matin, tout le monde. Il est complètement cinglé. J'arrête. Moi, j'habite avec ça. Ben zinzin, celui-là. À la météo. Ensuite de ça, Sophie? Spectre. Spectre, j'avais dit 250 millions. Ce qui aurait été moins que comment il s'appelle l'autre avant? Skyfall. Skyfall, il en a fait 300. Mais il a fait encore moins. Il a fait 200 millions. En fait, de peine et de misère, il va faire 200 millions. Il est rendu à 199,8. Puis il garde à l'affiche pour qu'il se rende jusqu'à 200. C'est bon, mais on peut
pas quand même, c'était pas se dire qu'une petite légère déception, ça a coûté une fortune, certains disent que ça a coûté 300 millions. Que quoi? Ben, mais je pense que c'est la réception critique finalement. Quand j'ai dit ma prédiction, il n'y a pas encore les critiques. Mais la réception critique plus tiède qui est prévue, je crois. Ouais. C'est sûr que quand l'acteur principal dit qu'il est crissement tanné de faire ces films-là puis qu'il veut plus jamais en faire, ça aide pas non plus. Oui, non, c'est sûr ça doit nuire, ouais. Je sais pas c'est quoi le, que ça te demanderait de genre mentir en entrevue puis... Tu sais que t'aimes ça, jouer plus de millions. Ouais, ouais, c'est ça. D'accord. Ensuite de ça, Hunger Games. Hunger Games, j'avais dit 375 millions. 370. 370, mais fait 300, je pense, si je me trompe pas. Faudrait que j'aille vérifier. Oh, ça, tu le sais pas. Oui, voyons, Julien. Non, mais, c'est parce que là, si tu fais rien que lire des pages, non, non, mais, c'est ça. Ils peuvent faire ça à la maison. C'est le vrai Julien. ça fait 281 millions. Ouch. Voilà, j'avais dit 370. C'est une franchise qui s'essoufflait déjà. À partir du deuxième, tous les films ont fait moins que le précédent. Malgré ça, vu que Lionsgate a plus de grosses franchises, ben, ils parlent de faire des prequels qui n'existent pas en livre, mais en tout cas, ça fait tout de même près de 700 millions, c'est un budget 160 mondialement, mais ils coûtent de plus en plus cher, ils font de moins en moins d'argent, alors on devrait arrêter ça là. Ça, c'est pas stopper, une bonne chose, hein? Stopper l'hémorragie. Mais oui. Creed! Creed, j'avais dit 60, hein? Oui. J'ai été beaucoup trop sévère, écoute. Mmh. Mais oui, ça aussi, bon. c'était avant la réception critique, ça aussi. Ouais, ça, moi, ça a été une surprise pour tout le monde. Ben, non, c'est ça. Ça aurait pu dérailler. Faut pas sous-estimer. Moi, à ce moment-là, c'était bon, Rocky 7, tu sais. Le retour de Billy Gunn. Ouais, le 6 était très bon, puis il avait fait bien ou non aussi? Il avait fait bien, il a fait 72 millions. Fait que j'avais dit 60, c'est essentiellement pareil. Mais finalement, il a été extrêmement bien reçu par la critique. C'est sûr, ça, on a failli gagner un Oscar pour ça. qui l'a cru, puis ça a fait 110 millions. Ça a très bien marché sur un budget de 20. Puis là, on parle d'un Creed 2. qui, lui, il ne peut pas croire qu'on soit pas reçu avec un peu de cynisme. Ça, là, tu ne peux pas faire ça. Voilà. Dans le même temps, tu sais, c'est la performance de Sylvester Stallone, c'est si bon. Mais c'est dommage encore une fois qu'il disait que il a battu deux records des Oscars avec le même... avec ce personnage-là, tu sais, il avait été nominé pour meilleur scénario, meilleure réalisation, meilleur film, je pense, la première fois. Il a gagné meilleur film, Battant Taxi Driver. Exact. Puis là, avec le même personnage, il a été nominé une autre fois pour meilleur comédien. C'est la première fois dans l'histoire des Oscars que quelqu'un est nominé deux fois pour le même personnage. Ah, ben ça, je savais pas ça. Ace Ventura, non? Non, Pet Détective, finalement, il l'avait pas eu, mais c'est un vrai vol. Ah, ouais. C'est un vrai vol. Et finalement, non, ben pas finalement, Good Dinosaur. Good Dinosaur, les autres, je suis dans le champ complètement. 275 millions, ce qui arrêtait déjà 100 millions de moins qu'Inside Out, puis non, ça a fait 135 millions. On n'a pas du tout entendu parler là-dessus. C'est le premier flop de Pixar en 16 films. Mais ça va la même. Ouais, ça n'a pas marché. Puis c'est leur film qui a fait le moins d'argent, qui est battant A Bug's Life, qui détenait ça depuis 98. Ah ouais? Ouais, ouais. Ça n'a pas marché. Là, tout Mais Bug's Life, ça avait marché quand même. Ça avait marché à l'époque. Ouais, bah, 168 millions en 98, c'est comme 250 aujourd'hui. Il aurait juste dû faire un remake de Petit Pied, ça aurait été bien. Tant que ça. Il juste faire ça. Mais avec Finding Nemo 2, puis Toy Story 4, puis Cars 3, ils vont être corrects. Mais ils devraient peut-être aussi se concentrer à faire des choses avec moins de chiffres au bout. Moins de... Ben, avant, ils en faisaient pas beaucoup de suite, mais là, Cars 3... Et en terminant... que vous attendez tous, Star Wars! Star Wars, j'avais dit 800 millions. 800 millions. Et 3 milliards mondialement. Ben, finalement, il est encore à l'affiche, mais il a finalement quitté le top 10 en fin de semaine. Il était en 11e position. Il est rendu à 930 millions. Oh, oh boy! J'étais pas si loin quand même, mais je l'ai... Ça va pas un... On dirait que la force est avec toi. Qu'est-ce que t'as mangé? Je sais pas. T'as-tu mangé du sucre? J'ai mangé une banane, mon Dieu. Ah, ben peut-être le potassium. Tu l'as dit, de quel bord tu l'as épluché, ta banane? Par le haut. Commence pas ça. Fait qu'il s'est rendu... Donc, il va se rendre à peu près à 940 millions. J'avais dit 800, on n'est pas très loin. Je me l'accorde, bravo. J'avais dit par contre 3 milliards mondialement. Le plus gros film de tous les temps. Il ne le fera pas. Oh non. Il est rendu à 2... milliard, il va se rendre à 2,1 milliards max. Il ne battra même pas Titanic. Il va être en... James Cameron maintient encore et aujourd'hui les deux films les plus rentables de tous les temps. Tu avais aussi dit qu'il allait battre Jurassic World en sa première fin de semaine en faisant 200 millions. Ça, il l'a fait, par contre. Il l'a fait. Ouais, c'est un détail important quand même, mais est-ce qu'il a été censuré en Chine ou banni en Star Wars? Chine? Ouais. Non, mais ça n'a pas pogné en Chine, par contre. Okay. Ça a juste fait quelque chose comme 150 millions quand, par exemple, Furious 7 a fait 350. OK, OK. Alors, les Star Wars n'étaient pas sortis à l'époque. Ils ont vraiment essayé de leur rentrer dans la gorge comme partout ailleurs dans le monde, mais ça n'a pas vraiment marché. Ils n'ont pas ça dans leur. Fait qu'on dit dans le fond que nous-mêmes, on est brainwashed. Si nous, on est dans une culture, on capote un nouveau Star Wars. Il y a des pays qui sont encore à liste, dans le fond. J'ai mis ça en perspective. Je ne l'ai pas vu.
Tu l'as pas vu? Moi non plus. Allez, non, c'est vrai. OK, c'est bon. Hey, imaginez, je vois du tantôt, guys. Ça nous dit imagine si le fantôme nous spoil. Oui, si vous me donnez pas 500$. Ah, mais je sais, la on fin, est là, pas je... Aussi, non, je pense qu'il y a pas grave. Je me suis spoilé la semaine passée. C'est pas grave, on avec c'est pas qui c'est qui meurt à la fin de Star Wars. Ouais, pense, ça doit être connu. Jar Jar Binks. Imaginez sur d'autres planètes comment ils s'en foutent de Star Wars. Hey, ouais. Tellement. Ironiquement, parce que c'est la guerre des étoiles. C'est ça. Pas beaucoup d'étoiles se battent là-dedans. Bon. OK, c'est ça. Alors, c'était mes prédictions box-office. Des stars d'Hollywood. Ben oui. On va continuer avec Sophie. Ouais, oui. Yeah. Qu'est-ce que t'en penses, Sophie? Oui, ça va faire un beau pont entre les étoiles et ma chronique. C'est vrai, ça. Ouais, un ouais. Pont vers les étoiles. Imaginez si on s'appliquait à le faire. Ouais, ça serait malade, tout ce qu'on pourrait faire. Double non, clic. Non. Ah, c'est pas le bon hey. Thème. Oh. Je l'aime, je m'ennuie. C'est vrai, hein. Mais elle est moins forte. Ben, je suis pas fort là. Sur la console, j'ai dit. Peu... Ah. Quel succès. Réalisation de l'année. C'est fascinant. Il n'y a jamais même eu de nomination. Fait que c'était le, non, ne vous le mauvais thème qui jouait vraiment pas fort. Dérouté par ce thème, ce non. Sera bien sûr une chronique sur l'espace. Détrompez-vous à la maison. Oui, ne vous en faites pas. Vous aurez votre dose de faits pertinents sur l'espace. Interstellaire. Cette donc, cette semaine, on va parler de propriétés extraterrestres. Oh là là. C'est-à-dire de les gens qui sont un peu bizarres puis qui se réclament de, t'sais, des bouts d'espace ou qui ben, vendent des bouts de lune. J'ai reçu une propriété sur Mars pour ma fête. Ben oui, et qui ne vaut rien. Non, je attention. Je suis déçu de ta elle la... vaut absolument tout. Dans ton cœur. Je vous inviterai à mon chalet martien et vous penserez différemment. Est-ce que Matt Damon va être là? Ouais, je sais pas, il est en train de défricher... en ce moment. Okay. Des friches. Des friches Mars. Donc, comme vous le savez tous, en 1967, 102 pays ont signé un traité, le traité de l'espace avec l'ONU. Puis, c'est un traité qui dit que, bon, on n'a pas le droit de militariser la Lune et les autres corps célestes, donc on n'a pas le droit de mettre des bases militaires, des trucs comme ça. Ouais. On n'a pas le droit de mettre en orbite des armes nucléaires non plus. Ouais. Et en 79, il y a même eu un autre traité qui était spécifiquement pour la Lune où on disait qu'il faut tenir ça propre, tu sais, par exemple, parce que les gens jetaient beaucoup de déchets sur la Lune, c'est bien garder connu. Notre Lune propre. Donc maintenant, on doit garder tout ça propre. Et même en 2015, ça c'est un peu spécial, les États, ça a comme un peu passé dans le bar, mais les États-Unis ont signé le Space Act, comme quoi, eux, par exemple, tout à coup, ils avaient le droit d'exploiter l'eau et les minéraux dans l'espace. Ils sont auto-signés ça. Ils se sont auto-signés ça, puis ça a l'air que... moi aussi, je signe ça d'abord. Mais oui, tu peux, tu sais ça. Puis il y a plein de gens qui ont essayé de faire comme toi à travers le temps, qui ont essayé de signer leur propre traité pour... Pas plus fou qu'un autre. C'est ça. Donc, on va parler de ces merveilleuses personnes aujourd'hui. On va commencer avec Gennaro Gallardo Vera. Ou Gennaro Gallardo Vera. Pas fini d'entendre parler de celui-là. Non, okay, non. C'est un avocat chilien qui, en 1954, s'est réclamé la propriété de la Lune. Donc, il est allé au registre des propriétés, tu sais, comme quand on veut acheter un terrain, puis il a dit, bon, ben, j'en signe un pour la Lune. Il n'y a personne qui l'a réclamé, ça n'appartient à personne. Donc, il a signé le beau registre au Chili et la Lune lui appartient. Ça a été enregistré comme ça dans les papiers du Chili. Ça a beaucoup de poids, hein, toutes ces affaires-là. Mais c'était avant le traité de l'espace, donc c'était legit. Il y a aussi Martin Jurgens, un Allemand, qui a dit que la Lune appartenait à sa famille depuis 1756 parce que le roi Frédéric le Grand l'aurait donné à son ancêtre pour comme un acte de gratitude parce qu'il avait été guéri par son ancêtre. T'as pas mis la Lune. Fait que la Lune lui appartient, puis il s'en est réclamé. Ouais. En 1936, il y a Aideen Lindsay qui lui a dit que tous les objets extraterrestres lui appartenaient. Donc, il est allé en... C'est pas mal que ça marche, la vie. Là. Ça, c'est à moi. Il est allé... la Lune, Saturne et tout le reste, parce que c'était des choses séparées, la Lune et Saturne. Fait que là, il a fait un acte notarié, si je me rappelle bien, à Philadelphie, où là, il a dit, bon, tout m'appartient, il n'y a personne qui l'a réclamé. Et les gens, comme ça lui appartient, il y a plusieurs personnes à travers le 20e siècle qui ont fait des propositions d'achat. Donc, tu peux le contacter et dire, OK, j'aimerais ça acheter, mettons, Pluton. Fait combien tu me le vends? Ça a-tu roulé pas mal, son affaire? Ouais, quand même, il a fait du cash avec ça. Spéculation spatiale. Il est comme l'esprit fou, dans le fond. Oui. Il a rendu Pluton pendant que c'était encore une planète. Ben, peut-être la valeur a dû dropper. Là, ça ne vaut plus rien. Ouais. C'est lui qui a c'est à moins Pluton. C'est comme les permis de taxi. C'est ça. Même combat. Pluton, ça irait bien, Julien. Ben oui, c'est une petite planète pour un petit bonheur. Ben, j'ai bien hâte qu'on soit rendu au point où on a Uber Space. Ça s'en vient sûrement. Ça s'en vient. Hey, mais si on était une planète, l'équipe de déciderait laquelle on serait. Moi, je serais Uranus. Je vais mettre mon nez là-dessus. T'es bon. T'es fou, Max, aujourd'hui. Oui, c'est ça, comme ça. Coquin comme une loutre. Il y a James.
Thomas Mangan qui a fondé Celestia, qui est un magnifique. Vous pouvez voir le site web, là, Étienne. Ah non, t'as pas ton ordi. J'ai pas mon ordi, mais j'ai vu le site web ce matin. C'est un beau site web qui date de 92. Là, ouais, il est encore belle mise en page. Comment ça s'appelle? Celestia. Celestia. Donc, c'est une nation de l'espace céleste. Donc, c'est un pays, mais c'est le pays de l'espace. Fait que c'est tout l'espace qui est un pays. Ouais. Ça a été fondé en 1949. Et en fondant ce pays-là, ben, il s'est approprié tout. Parce que c'est lui le président de ce pays-là qui est tout l'espace. Donc, il a envoyé comme... il a appliqué à l'ONU pour faire partie de l'ONU, pour représenter Celestia. Il a aussi envoyé... des genres de missives de combat, des affronts à la Russie, aux États-Unis quand ils ont commencé à aller dans l'espace, parce que là ils disaient non, vous pouvez pas envoyer Soyouz, là c'est mon territoire, là on va aller en guerre si vous continuez à faire ça. Oui, il y a quand même des gens qui sont membres de Celestia. Vous pouvez encore le devenir, je pense, via le site web. Il faudrait vérifier plus en détail. Je sais pas, je pense pas. Il a été super gentil parce que quand les premiers astronautes de Apollo ils ont été sur la Lune, ben il leur a donné des passeports pour aller sur la Lune. Apollo, qui est le père de Creed. Oui, en effet. Apollo Creed. Oh là là. Donc voilà. Il y a un lien dans Donc, si vous voulez faire partie de ce magnifique pays, vous pouvez vous joindre sur le beau site web qui sera publié sur notre page. Il y a aussi Robert R. Coles qui fait partie du conseil d'administration du Planétarium de New York, qui lui a parti de la compagnie Corporation de développement interplanétaire où il vend des lots à 1$ de la Lune, par exemple, pour acheter votre petit territoire, comme Étienne a fait, mais ça vaut rien, bien sûr. Pardon? Le plus intéressant, je dirais que c'est Dennis Hope, qui en 1980 a déclaré que la Lune lui appartenait, bien sûr, comme d'autres. Et il est parti une business qui s'appelle Lunar Embassy, où là, il a fait vraiment une déclaration là, formelle, comme toutes les autres avant, où il disait « la Lune m'appartient », il est allé déposer ça. Puis là, il a envoyé des factures pour déchets et intrusions à la NASA, puis un peu partout. Des pour factures? Dire... Oui, des factures comme quoi, ben là, vous êtes allé sur mon territoire, vous me devez tant. C'est ma Lune. C'est ça, des amendes. Là. Il y a l'infâme Zorglub aussi qui a fait la première pub de Coke sur la Lune. Oui, c'est vrai. Il l'a fait à l'envers. Est-ce qu'il avait son rayon? Bon, il doit avoir un rayon quelconque. Et ce gars-là a dit qu'il a vendu pour 3,6 millions de lots lunaires à des gens comme Steven Spielberg, des présidents américains, des choses comme ça. On sait pas si c'est vrai, mais il dit ça. Il vend aussi les domaines .moon, fait que si vous voulez acheter comme julienbernatier.moon, c'est à lui que vous pouvez vous adresser. Puis il offre aussi d'acheter d'autres lunes. Fait que si vous voulez, par exemple, une lune de Jupiter, c'est à lui qu'il faut s'adresser. Ben oui, parce qu'on s'attend juste à une. Il est dans la business de la lune. Ah. Fait que c'est à qui la lune? T'as bien du monde, là. Comment ça qu'à chaque fois que quelqu'un se proclame le nouveau propriétaire, il n'y a pas comme un gros combat entre lui et le précédent? Ils sont tous propriétaires uniques en même temps. En effet. Ils sont dans l'une. Ça serait aussi. Ça serait aussi valable qu'on nous-mêmes, on dise qu'il est à nous la Lune. Ouais, on a choisi ça. En effet, oui, oui. Bon, la Lune appartient à l'équipe de Décideret. J'y arrive. Ah, ok, bon, parce que je ne veux pas trouver ton punch. Oui, ça sera pas là. Il m'en reste quelques-uns, mais ils sont tous savoureux. En 97, il y a trois gars au Yémen qui ont poursuivi la NASA parce qu'ils ont envoyé une sonde sur Mars, puis ils ont dit que Mars leur appartenait depuis 3000 ans parce que c'était leurs ancêtres. C'est écrit dans les grands récits du Yémen comme quoi la Lune est à ces gens-là. Yémen. Oui, Mars, pas la Lune. Le Yémen. Grigory W. Nemitz a envoyé un ticket de parking de 20$ à la NASA en 2001 parce qu'en 2001, ils ont été sur son astéroïde, l'astéroïde 433 Eros, et ils lui ont dit ben, c'est à moi, ça m'appartient cet astéroïde. C'est interdit de stationner les jeudis, je crois. Oui, c'est ça. Fait que, là, il y a un ticket de parking, c'est un ticket qui est bon pour une décennie. Fait que, c'est pas pire. Okay. S'il reste 10 ans de plus, par exemple, là, il va avoir un autre ticket de 20$. Oupsie! C'est un pensez-y bien. dans le budget. Ça. Change ton véhicule d'astéroïde à toi. Ouais. Ah, c'est fatigant, vivant. Déneigement. Il y a d'autres gens aussi qui essaient de vendre des lots comme Étienne a acheté. Mooncertificates.com qui est maintenant barré, malheureusement. ça serait le conseil des rois martiens qui a 7,2 millions. Le conseil des rois martiens? Oui, oui, oui. Il y a 7,2 millions d'années, ils ont réclamé la Lune. Ces martiens-là. Et là, ils ont contacté le gars qui avait le site web mooncertificates.com pour lui dire « C'est correct, t'as le droit de vendre des lots à partir de maintenant. » Donc, ce gars-là, depuis ce temps-là, vend des lots sur la Lune au nom du conseil des rois martiens.
Ça il y a 7 points quelques millions. Ouais, longtemps, ouais. Ça. Je pense que j'étais même pas né. Finalement, même... le meilleur de tous, en 2012, un gars, vous avez peut-être entendu parler, il s'appelle Sergio Langevin au Québec. Sergio Langevin. Mais attention, des fois, il utilise un faux nom comme Martin Langevin. Sergio. On dirait un autre club optimiste. On devrait l'inviter. Donc, lui, il y a un magnifique. Comment on appelle ça déjà, Étienne? Un peu un rapport, là, mais une retranscription. En tout cas. Une retranscription. Non, mais c'est pas une retranscription. Mais c'est le jugement, un jugement qu'on peut lire sur l'Internet. Comme ça qu'on appelle ça, oui. Oui, c'est ça. Non, mais tu travailles dans les affaires. Oui, ben c'est parce que je savais pas qu'est-ce que tu voulais que je dise. L'affaire que je t'ai envoyée, là. Oui, oui. Mais c'était effectivement un jugement. Donc, en 2012, lui, il a été en cours, il a déposé une requête en disant que la Terre, Mercure, Vénus, Jupiter, Saturne, Uranus et les quatre lunes de Jupiter lui appartenaient. Et plus tard, il est même retourné en disant ouais, je vais faire un amendement à ma requête en disant aussi que Neptune, Pluton et tous les espaces entre les planètes dans tout l'univers lui appartenaient. Bah, tout système solaire. Puis lui, c'est ça. Comment il a commencé à se réclamer de ça, c'est qu'il a dit qu'un jour, il lisait le dictionnaire, il a lu la définition de planète, et là, il s'est rendu compte que dans cette définition-là, ça disait que les planètes n'appartenaient à personne. Puis là, il s'est dit, ben là, c'était, d'abord, ça veut d'abord dire moi, que je peux m'en réclamer. C'est ça, quand ta plaidoirie commence par le dictionnaire. Je lisais le dictionnaire. C'est rare soir, que ça va bien loin. Puis il a dit, ben comme ça, je vais pouvoir les collectionner un peu comme des cartes de hockey, faire une collection de planètes. Ah oui. Et donc, Pluton il est allé en cours, il a déposé cette requête-là il a dit que son témoin, c'était Dieu, qui était un peu déçu parce qu'il ne pouvait pas se présenter pour témoigner avec lui, mais bon. Ben, j'ai déjà transcrit un procès où quelqu'un avait Jésus comme témoin. Ah oui? Ouais. Quand même, Il était-tu là? Il était pas là. Mais c'était-tu comme un petit Mexicain ou je sais pas, ou c'était le vrai le Christ, là? C'était Jésus. C'était le Christ. Okay. C'était le Christ. Ben, coudonc, gars. Le Christ est mort ressuscité. On se défend comme on peut. Ça m'avait retardé dans ma transcription parce qu'il avait dit, ben, en fait, c'était pas son témoin, c'était comme celui qui l'assistait. Ouais. Puis il a dit, alors, j'ai lui ici qui m'assiste. Puis là, moi, je mets ma transcription en pause, je cherche dans les papiers... Qui est là? C'est qui, d'abord? Il faut que je mette son nom sur la première page, je le trouve pas, puis là, je me dis, bon, je vais continuer d'écouter. Là, il y a un silence, puis là, il y a la juge qui dit, pour les fins de l'enregistrement, un monsieur pointe le crucifix à son cou. Là, je te dis, calisse, ça me fait... Oh non, et c'est là que... Moi, elle passe à toi. Ouais, là. C'est là qu'il a perdu son procès. Hein. Ouais, c'est pas mal là que ça s'est joué, oui. Là, il met un tout petit micro sur son crucifix. <C'est ça. rire> Je supporte cet homme! En vérité, je vous l'ai dit! Ah, c'est pas mon idée! Donnez-moi une petite coupe de vin! Je vais me décrocher de là! Et notre pauvre Sergio, oui, je terminerai Sergio. Là-dessus. Toute cette belle histoire s'est terminée. Comme il a été déclaré quérulent. C'est un mot que j'ai appris ce matin. Mm-hmm. Parce que c'était la 52e fois qu'il posait une requête contre le gouvernement du Québec. Il a été 29 requêtes contre la Cour supérieure, 12 contre la Cour d'appel, 4 en Cour suprême. Ben ouais, toujours des requêtes comme ça qui n'avaient pas d'allure, farfelues. Puis là, à partir de ce procès-là où il a essayé de réclamer la propriété des planètes, il a été déclaré quérulant, donc il n'a plus jamais le droit. Ça veut dire qu'il n'a plus jamais le droit de déposer des... Parce que là, il dépense des fonds publics, du temps. Puis si tu tuais quelqu'un, il n'y aurait pas de procès. Non. Oui. Il n'y aurait pas le droit. Il n'y a pas le droit d'intenter une requête. Il a le droit d'être jugé. Il n'y a pas le droit de tuer. C'est pas ouais, des fois, c'est faites pas de niaiserie parce que ça peut finir mal. Oui. C'est sérieux. C'est ça le qu'on droit. Peut retenir comme une bonne morale. Ben oui. Ouais. Hey, moi, là, tout le monde, la fièvre puis ma maladie, ça me rend comme mélancolique et créatif. Fait que j'ai composé une chanson avec la chronique de Sophie. Ah, là, t'as fait ça? Ouais, j'ai fait ça. Okay, tu veux nous vendre la lune? Tu veux nous vendre nos rêves? Non, Dennis Hope. La lune ne t'appartient pas, elle est autant à toi qu'à moi. Et le conseil des rois martiens n'y pourra jamais rien. Parlez-en à Sergio Langevin. Ça, ça compte pour ta chronique, ça. Ben, je m'engage à faire ça, en fait, pour chacune des chroniques. Ah, okay, ça fait une chronique reconstituée. Le box office, c'est fascinant. Ok, ben, merveilleux. Merci, Sophie. Ça fait plaisir. On va continuer avec une toune. T'as-tu une chronique, toi, Mathieu? Ou... Non. Je suis vraiment malade. Okay, j'ai vraiment juste de. On va continuer avec les Ghouls qui ont sorti un album surprise. Ben oui. Après 10 ans d'absence, Coma, Décidéré, putain. Oh, yeah.
que moi. Salut, c'est Rémi Girard. On t'en Oh, t'en Hey, salut tout le monde. Hey, all right, on continue. Une petite nouvelle brève rapidement. C'était les Oscars en fin de semaine dernière. C'est vrai. Et il y avait, comme à chaque année, le montage des personnes qui sont décédées dans l'année. Oui. Il y avait un grand absent cette année. Baby Go de... Normand Lamour. Abe. Il y avait effectivement pas Normand Lamour. Ben voyons. Mais il n'y avait pas non plus Oggy, le chien d'Andy Artist. Oh non! Qui est décédé cette année, qui est décédé un instant. J'allais dire, ça aurait été un beau clin d'œil, mais en même temps, c'est comme un peu chien pour toutes les autres qui sont morts de dropper le chien là-dedans. Ça serait chien. Ça serait très chien. Ouais, ça serait comme. Probablement que les gens seraient partis à rire. Ouais, c'est ça. Avec Dave Grohl. Ben, tu finis avec ça pour ramener le monde dans la bonne humeur. Ben ouais, c'est sûr. Puis après ça, t'as Jean Dujardin qui vient faire un discours sur ce chien-là. This dog. Eh bien. This dog. When I was working with Oggy, he was a real professional. And it was always a pleasure. And we pay des mille saucisses. Fait que voilà, Guy, vous avez... Ben nous... On paye des mille saucisses. Des mille saucisses. Guy, nous, on va être le seul... T'es le seul dessin qu'on va souligner à décider. Alors, on t'aime, nous, et on t'oubliera jamais. Et l'énormal amour. L'énormal amour. On va continuer avec Maxime, c'est bon avec toi, ça? All right. C'est la chronique à Maxos. OK. Tu mets ta... Ah ouais, pas ça, ça, ça va mettre une belle entrée en matière. Yes. On l'attend. Oh, okay. Mon Dieu. Mais qu'est-ce qu'on entend là, là encore? Là, toujours une musique. C'est Police Academy. C'est la musique de Police Academy que tu peux peut-être baisser un peu parce que ça, ouais, ça va être fort. Ça peut être fort, oui, effectivement. Bon, écoutez, cette semaine, j'écoutais l'excellent film Blancman avec mon ami Dom Massy. C'était là, j'étais là. Ouais, c'est ça. Puis j'en suis venu, fouille-moi pourquoi, à m'intéresser à Police Academy. Ça m'a comme rappelé cette époque-là. Mmh. Police Academy, t'avais une bonne anecdote, Julien, de box-office là-dessus. Ah ben, chacun des films de Police Academy a fait moins que les précédents. Et voilà. Jusqu'au 7e. Jusqu'au 7e qui a fait 150 000 piastres. Voilà. Sion à Moscou, je pense. J'ai les chiffres devant moi. Julien, Police Academy 1 qui a fait 81 millions. Oui. Et le dernier a fait 125 000. Ouais. c'est une descente aux enfers. Puis il n'y avait plus Steve Guttenberg. Il en reste encore une couple de personnes. Ouais, il en reste assez pour appeler ça un Police Academy. Oui. Puis là, je me suis mis à m'intéresser sur ces acteurs-là, tu sais, avec lesquels on a un peu grandi quand même. Puis ouais. Il y en a malheureusement plusieurs dont on n'a jamais entendu parler. C'est vrai, très malheureux. Fait que je suis allé faire le tour de tout, ben, à peu près tous les acteurs qu'on a vus dans Police Academy pour voir ça a été quoi le restant de leur carrière. Ouais, parce qu'on les a pas vus, là. On les a. Puis là, je voulais qu'on fasse un peu ce jeu-là ce matin de découvrir lequel a eu la carrière la plus florissante. Ben, moi, je le sens la puis suite. C'est le fun parce que c'est mon personnage préféré. Ah, mon Dieu, ben, on va y arriver. Ouais. On va y arriver peut-être. Alors, là, évidemment, j'ai pas nécessairement le nom des comédiens, mais vous allez reconnaître. Bon, oui. Premièrement, le personnage, tu sais, la petite qui crie, qui crie avec la petite afro, ouais, là, vous savez de quoi je parle? Ouais. Bon, elle, ça a pas très bien été, là, ben par voyons. La suite. Elle a joué dans un épisode de Beverly Hills, puis c'est à peu près le seul fait notable. Est-ce qu'elle criait dans l'épisode? Ouais, c'est ça. Ça a pas, je sais pas si c'est une question de casting, peut-être. Peut-être qu'il y en a pour 20 pièces. Elle a été typecastée, la petite qui crie. Ouais, fait qu'elle, ça a pas très, très bien été. Ensuite vient Michael Winslow. Que lequel, certains se souviendront comme celui qui fait des bruits. Ah, okay, fais-nous donc des bruits. On pourrait faire comme si on l'avait invité et juste mettre des bruits. Le zip, le trip et le bip. Ouais. J'ai perdu le trip. Lui, ça a quand même bien été. Écoutez, il a joué récemment dans Sharknado 3. Ah, bon, ben, yeah. Ce qui est pas rien. C'est pas une Sharknado. Il a fait une voix dans la série animée des New Kids on the Block. Ah, oui. Ok. Ouais. Pourquoi pas? Et surtout, hein, on se souviendra de lui comme l'espèce d'officier dans Spaceballs. Ouais. Ouais. C'est un peu la même chose. Ça a un peu. Parce qu'on l'aimait beaucoup dans Police Academy. C'est souvent un fan's favorite. Ouais. Sauf que, ben, tu sais, je pense que c'est Spaceballs qui va le faire passer à l'histoire. Ouais. C'est aussi un stand-up, ce gars-là, puis il fait des performances live de ça, puis j'ai vu des images, c'est vraiment impressionnant. Donc, on a pris du poids. Il y a une vidéo... Même pas. Il est encore fier à lui. Il y a une vidéo qu'on pourra partager, c'est assez impressionnant. C'est une vidéo, c'est une projection d'une scène spatiale de Star Wars, un combat spatial en vaisseau, puis lui, il fait les sons par-dessus, fait que c'est vraiment cool. C'est quand même intense, le monde capote dans la salle, on est... Il s'amuse. Mais c'est un talent qu'on n'a pas tant revu. J'ai pas d'autres exemples en tête de bruiteurs comme ça. Ben, c'est pas beaucoup de films sérieux dans lesquels tu peux le mettre. Hein. Non. Non, mais il y a quand même beaucoup de comédies qui sortent aussi. Mais il y a un personnage historique qui faisait des bruits. C'est comme une affaire qui se passait plus comme dans les années 50-60 dans le stand-up.
j'ai des vinyles de comédiens de stand-up qui font juste ça, là, comme ils font une couple de jokes, là, sont comme « Et maintenant, le son d'un tracteur! » Dans les années 50, ça se pissait dessus. C'était wild juste de faire des sons. Oh. Ils sortaient de l'Holocauste. Ben oui. Donnez-leur une chance. Ah ouais. Et maintenant, le son d'un incinérateur! C'est ça! Le son du troisième rail! L'arrivée d'un train à Dachau! Mon Dieu! Autre ensuite, temps, autre merci. Autre personnage, Hightower, qui était le grand black, là, le grand noir. Yeah. Tu sais, reconnu musclé, pour sa force, c'est ça. Boba Smith, de son vrai nom. Ça, là, je trouvais qu'il avait un nom. Ouais, quand même. C'est un nom de joueur de football. Lui, ça a pas vraiment décollé par la suite. Là. Il a eu de la misère. Il a joué dans un épisode de MacGyver. Ah. Wow. Quand même. Il a joué dans un épisode de Sabrina, l'apprentie sorcière de Witch Teenager. Là, mais avec ça. Le chat, il avait l'air vrai. Là. Ouais, mais tu sais, ça a pas. Puis là, ce que je vous dis, moi, c'est ceux qui me disent de quoi. Il ouais, ouais. y en a qui ont fait 1000 affaires, mais c'est tout. Fait, ça a dû être payé, même pas UDA. Là, bon. C'est plus payant à faire ce show. Hey, ensuite, Zed, le personnage de Zed qui arrive seulement dans Police Academy 3, je pense, qui est joué par Bobcat Goldthwait, qui lui est, à mon avis, un de ceux qui s'en est le mieux sorti. C'est de lui que je parle. C'est mon personnage préféré. Ouais, traduction, la pire traduction du monde. Puis tu sais, lui, c'est ça, il a écrit, réalisé comment ça s'appelle, The World's Greatest Dad, très bon, ça, God Bless America, qui semble-t-il si est bon. Excellent. Ah, ouais, c'est ça, en fin de semaine. Le film avec le clown aussi. Ouais, le clown super attractif. Shakes the Clown. Shakes the Clown. Ouais, il a aussi fait récemment, il a sorti Call Me Lucky, qui est un documentaire sur Barry Kerman, qui est un stand-up. Puis c'est fou, comme, que c'est super bon comme documentaire. Vraiment. Très recommandé. Il est sur Netflix, on l'écoute. Il a fait aussi un film sur. C'est un couple qui est dans le bois avec. Puis là, tu comprends qu'il y a les Sasquatch autour. Le film est pas malade, mais il y a une scène, une espèce de plan séquence qui dure comme 25 minutes à peu près, là, si c'est pas une demi-heure. Puis c'est vraiment intense, ça, c'est bon. Mais c'est ça, le gars. Honnêtement, tu sais, quand tu fais. Ouais, c'est le gars qui jouait le tweet dans Police Academy, tu sais. Puis là, finalement, tu t'intéresses à lui, tu fais non, il est vraiment génial. Tu vois que c'est un gars en colère, tu sais. Il y a tout le temps des affaires ultra percutantes dans ses films. C'est déstabilisant. Tous ses films, il y a une passe ultra déstabilisante, là. Tu sais, après l'Holocauste. Oui, c'est ça. Il y a aussi, il a fait un film qui s'appelle Sleeping Dogs Lie. C'est à propos de. C'est une fille qui accouche avec un chien dans les premiers 5 minutes du film. OK. Après, après ça, tu skips à genre 10 ans plus tard, elle va se marier. Puis là, elle marie un double, elle marie un gars, puis là, elle dit « Ah, j'ai couché avec un chien », puis là, le reste du film, c'est juste lui qui est comme « Non, je suis pas capable de dealer avec le chien ». C'est carrément ça pendant une heure. Ça l'a pas fait. Hey, ensuite, le personnage, un de mes préférés, moi, Proctor, qui était le bras droit du caporal Harris, je sais pas si vous vous souvenez. Ouais. Bon, lui, écoutez, rien ne va plus là, pour le bon Proctor. Le seul fait que je pouvais souligner, c'est que dans Days of Future Past, dans les X-Men, il fait un gardien de sécurité dans le Pentagone. Quel rôle. Je pense qu'il faudrait aller chercher la scène pour faire un screen cap. Peut-être qu'il est ici. Mon Dieu. Peut-être ici en ce moment. On pourrait l'inviter. Peut-être que ce gars-là, personne ne sait c'est qui. Peut-être que le régiment de police est en train de se reformer au Québec. Ça se peut. Bon, ensuite, le sergent Callahan ou la blonde avec les gros seins. Ouais. Ça, j'ai été étonné d'apprendre que c'est la mère dans genre House of Thousand Corpses puis Devil's Reject. C'est elle qui fait ça. Fait qu'elle joue dans Halloween aussi. Elle est un peu rendue dans le clan Rob Zombie, comme on pourrait dire. Fait que c'est cool pour elle. Là, je trouve que. Ça a fait une belle suite de carrière. Ben oui, ça, c'est correct. C'est, cool. C'est correct. Ensuite de ça, je continue avec le caporal Harris. Oui. Un fan favorite encore une fois. Là, disons le plus vite, plus vite, plus vite. Je sais pas en anglais. C'est qu'est-ce move qu'il disait en anglais? C'est move it, move it. Move it, move it. Ça. OK. Lui, je pense que sa carrière a été plus florissante avant Police Academy parce qu'il a eu un rôle dans MASH. Entre autres, je me dis que j'imagine que c'était culte à l'époque. J'ai vu Arl à l'intégrale de MASH. Ouais, effectivement, j'ai toutes les saisons et le film. Puis il joue là-dedans, le caporal Harris. Ouais, mais il est pas dans. Il me semble qu'il est pas dans toutes les saisons. Il est juste dans saison 7. Il y a eu beaucoup de changements de personnages là-dedans. Il meurt dans le premier épisode. Non, mais tu sais, j'ai eu le temps de voir dans mes recherches qu'il a joué dans plusieurs épisodes. Fait que tu sais, c'est. Il n'est pas juste un film. Des vraies recherches. Il a joué dans Cœur Circuit, on s'en souvient. Ben et comme Dom le dit, il fait le même rôle que dans Police Academy. Là. Fait que, il fait le méchant, dans le fond. Là. Ouais. Puis sinon, il y a un rôle aussi dans Mannequin. Ouais, ça s'arrête là. Ça n'a pas été plus loin que Mannequin 2. Mannequin 2. Non, les grands films des années 80. Ah oui. Ensuite, et là, on tombe dans les grosses ligues. Le personnage de Tuckleberry, mon préféré, celui qui a des guns. Ouais.
Lui, ouais, c'était ouais. lui qui a des fusils. Lui, là, au début, j'étais déçu, je cherchais, puis je trouvais rien. Puis finalement, le gars, il a joué dans... il a eu une longue carrière dans les Star Trek, là. Dans Deep Space Nine, là, puis Voyager, ça se peut-tu? Ça se peut, oui. Il a eu un rôle là-dedans, fait que super, je suis content. Ben oui. J'étais content, lui, de voir que ça a bien été la suite des choses. Y a-tu des guns laser? Ben, je pourrais faire la recherche. J'ai pas écouté ces séries-là, mais si quelqu'un peut juste me confirmer là, sur la page que son rôle était bon, qu'il l'a bien joué, puis qu'il se servait bien de son casting, je serais content de l'avoir. C'est bon. Et pour terminer, là, écoutez, on peut pas passer à côté, l'idole d'une génération, Carrie Mahoney. Ben oui. Ben oui, le héros Steve Guttenberg, écoutez, ouais, ben le visage. Le visage de la série, ben tu sais ça. Lui, entre autres, jouait dans Cocoon 1 et 2. Ben oui. Ce qui est pas rien. Quand même. Il a joué dans 3 hommes et un bébé. Oui, ah, c'est vrai. Oui. Pense que c'est au box-office. Il a joué dans The Big Green, le film de soccer, là, avec le petit gros roux, là. Ah. Avec Patrick Renna. Patrick Renna. Patrick Renna. Il a joué dans Les Deux font la paire avec la double Lindsay Lohan. Ah oui. Ah, bon. Ouais. Puis, ouais. Ouais. Écoutez, son plus grand fait d'armes, Zeus et Roxanne. Oui, clairement. Mais n'oublions pas. C'est Roxane, le dauphin qu'un chien. Ouais, 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 bon. Ouais. Ben, il a joué là-dedans. Fait que, tu vois que lui, il a réorienté vers le cinéma un peu plus jeunesse. Il a très bien fait. Mm. Chapeau à Steve Guttenberg. Et là, je vous demandais, Steve, vous, à votre avis, dans tout ça, lequel s'en est le mieux tiré? Ton Bobcat. Ouais, ouais, définitivement. Ouais. Bobcat. Ouais, et moi, je donne une mention d'honneur à Proctor. Parce que je veux vraiment aller trouver le bout dans Days of Future Past où il joue un agent de sécurité du Pentagone. Vous savez, je jouais dans Police Academy, moi, monsieur. C'est ça. Je jouais Proctor. D'ailleurs, j'ai composé un poème. Ah. Mon Dieu. Il y a juste moi qui n'en aura pas, hein. Ah, ben, t'as-tu une chronique? Ben, il est pas sur Ouais, ok, ben, je vais t'en faire une pour la fin, okay, je te gardais comme une petite cerise. Ah, ok, comme ça. Comme toi, cerise. T'es comme une petite cerise. Ah, ben, il faut qu'on ramasse 500$, guys. Je vais comme oublier. C'est vrai, ok, va. Ok, ça s'appelle tout simplement Police Academy, j'ai décidé de le garder. C'est simple pour le titre. Où êtes-vous passé, amis policiers? Boba Smith, Michael Winslow, la fille avec l'afro? Proctor a perdu son badge d'officier au profit de celui d'un gardien de sécurité. C'est bien dit ça. Oui. La belle bande de policiers est déchue, blessée. Wow! Ah. C'est trop beau. J'ai écrit un sketch pour le bye-bye. C'est 728 qui est dans Police Academy. Ah oui, c'est bon ça. C'est bon, hein? Hey, cette semaine, 728 était à l'émission d'Éric Duhem à Québec. Ah là là. Puis elle a été accueillie en... héroïne, là. Oh, mais ben, genre, gros triomphe. Il y a eu 46 appels, il y en avait 43 qui étaient en sa faveur, un qui était indécis, puis deux qui étaient contre elle. Jim avait dit 100% de ses auditeurs étaient pour elle. Ouais, ouais, mais... C'est pas tout à fait la majorité silencieuse, ça a l'air. Ouais. Qui était sans selon Dieu. Mais là, la majorité silencieuse, c'est ça, des fois, c'est commode, parce que des fois, elle parle, tu sais. Ouais, ouais, si la majorité silencieuse pouvait juste fermer son estidiole une fois de temps en temps. C'est mon Dieu, Étienne, on t'a jamais vu. Ah non, mais c'est dégueulasse. Je suis hors de moi. Pour vrai, tu sais, c'est l'entrevue la plus complaisante que j'ai. Attends, je veux même pas écouter ça parce que ça va trop me mettre en tête. Non, mais bon, j'étais dans des bonnes dispositions quand j'écoutais ça, je me serais pas. Faut bien filer, ouais. Ah ouais, écoute, on en masse. Là, moi, j'ai hâte. La suite, là, je sais ce qui s'en vient. Je voulais pas faire mal. Mon Dieu. Moi, j'ai hâte. C'est comme une fébrilité. Alors, c'était Police Academy. Merci beaucoup, Maxime. On va continuer avec Étienne. C'est cool, ça. C'est très cool. Ok, je vais partir de ton thème. Je double-clique. Oui. Non, attends un peu. Mathieu, attends un peu. Tabarnak. C'est toujours sur le mien que ça fait ça. Ça veut pas jouer. S'il y a un accent dans le titre. Oh, voyons, calice. Wow. Ah, là. Notre émission parfaite. Voilà, bon, c'est une remarquable. Go, Étienne. Ouais, et ben, je vous avais promis, après avoir lu les deux chapitres de La Sexy Criminologue, les deux seuls chapitres qui existent pour l'instant, que j'allais vous lire La Grosse Sophie, qui est une autre histoire par la même auteur. Mais finalement, en la lisant à la maison, je me suis rendu compte que c'était pas très drôle, puis c'était même assez déprimant. Comme moi. Oh, ça. Voyons. Mais finalement, je me suis rabattu sur Gloria et ses secrets. Et ça, c'est fascinant. Et c'est excellent. C'est fascinant. Oui, fait que Julien, je t'avais envoyé un petit... Yeah, je te passe ça, mon chum. Passant en background. Alors, on y va. Après une longue journée chargée au bureau, je rentre enfin chez moi. Il est plus de minuit et demi, je suis épuisé. J'ai travaillé dur toute la semaine sur ma nouvelle acquisition, Kingston Corporation. Oh. Une entreprise jamaïcaine en plein essor. Oh non. Paradis fiscal. J'ai racheté la boîte à l'homme qui l'avait fondée. Pour en faire mon petit bijou, une entreprise touristique prometteuse à Montego Bay. Je suis convaincu qu'il y a de l'argent à faire,
d'argent à se faire pour ma boîte. Toujours plus d'argent, voilà ma devise. J'ai monté mon empire alors que je n'avais que 25 ans. J'ai toujours eu ce que je voulais dans la vie. Si une porte se fermait, je ne baissais pas les barres. Je passais par derrière. Il y a toujours une porte de secours. Dans les fesses à Juju. Et voilà, c'est une petite métaphore. Dans mes fesses. Toutes les lumières de ma somptueuse maison sont éteintes. Seules des bougies sont allumées un peu partout. Je marche vers la salle à manger. Taylor m'a fait une surprise. Je suis sûr qu'elle m'a préparé le repas. Ma compagne aime me faire plaisir lorsque je reviens du travail. Elle est si gentille avec moi. Parfois, je me demande pourquoi. Mmh, c'est une belle phrase. Oui, pas beaucoup de ponctuation. La table est servie. Voilà. Okay. Et ça sent bon. Elle m'a probablement fait mon plat préféré. Je reconnais l'odeur du filet mignon. Je m'approche vers la table et je sens ses mains douces me passer autour de la taille. Je la serre contre moi. Elle sent bon les fraises. Moi, je sens le travail. Je sens le travail. Oui, Julien. Quand je travaillais sur la construction, c'était pas nécessairement bon signe de sentir le travail. Ouais. Tu as passé une bonne journée au travail, ma chérie? Oui, j'ai eu ce que je voulais et tu me connais, je suis assez satisfaite de moi, lui dis-je en me retournant pour lui faire face. Attends, un couple de lesbiennes? Oui. Okay. Elle me regarde avec ses beaux yeux bruns, je ne peux m'empêcher de passer ma main dans ses longs cheveux noirs. Elle est magnifique, ma femme, avec un F majuscule, ma meilleure amie. Je la regarde un instant, nous avons tellement vécu de choses toutes les deux. Il y a quelques années, nos parents ne nous adressaient même plus la parole. Deux lesbiennes noires ensemble, ce n'est pas facile à gérer. Dans la communauté noire. Mais quand j'ai commencé à gagner des millions, bizarrement, tout le monde a trouvé le moyen de se la fermer. Ah, c'est drôle, hein? Ouais. Quoique l'argent peut tout acheter, même l'acceptation de sa famille ou de sa communauté. Cette phrase n'a pas de sens. Quoique? Ouais, c'est ça. Tous des hypocrites maintenant, je m'en moque, je vis bien ma vie. Je suis exactement là où je l'avais souhaité à 38 ans. À quoi tu penses, Gloria? Me dit-elle en me faisant signe de m'asseoir près d'elle. Il y a un point d'exclamation, je sais pas comment jouer. De m'asseoir près d'elle! Je m'assis en retirant la veste noire de mon tailleur et sous la table, je retira mes escarpins rouges. Yeah. Clin d'œil à David Duchovny. C'est quoi le nom de son copain? C'est Taylor et Gloria. Taylor et Gloria. C'est des filles. Noires. Oh, excusez-moi. Je suis en train de créer. Oui, je comprends. Je pense à nos prochaines vacances, mon amour. J'ai pris sa main en la pressant. Elle m'a manqué toute la journée. Je suis proche d'elle malgré mon emploi du temps surchargé et ses cours de français à l'université. On trouve, avec un T, merci. Toujours le temps de passer des moments magiques ensemble, même si parfois ce n'est pas suffisant pour moi. Oh, déjà, Gloria, nous revenons à peine de Dudaï. C'est un lieu fictif. Ouais, c'est un banlieue de Laval. Là. Je ne sais pas si l'université va me laisser prendre un congé d'aussitôt. Je ferai un don à la bibliothèque du campus, ils n'auront pas le choix. Arrête avec les dons, je suis bien payé, je peux le faire aussi, d'accord, même si moi je ne gagne pas des dizaines de millions par contrat. Je sens dans sa voix une irritation par les propos que je viens de dire. Taylor n'aimait pas beaucoup le fait que nous ayons autant d'agents. Elle se sentait trop bénisse par moment. Ça, c'est beau. Voyons là. Malgré son choix d'orientation sexuelle. Taylor est croyant. On se sentait trop béni malgré ce... Ouais. Okay. Il y a des amalgames d'idées que je comprends. Ben non. Moi non plus, okay, je sais pas trop. Taylor est croyante, ce qui n'est pas vraiment mon cas. Je crois plutôt aux affaires. J'aime la femme indépendante en toi, mais c'est moi qui le plus gros salaire. Il manque un mot. Taylor et moi étions sur le même pied d'égalité. En tout cas, j'essayais de lui faire plaisir. Je ne faisais pas l'homme, elle ne faisait pas l'homme non plus. Nous étions toutes les deux très féminines et coquettes. Taylor avait toujours été lesbienne, mais moi non. J'avais fait un choix. J'étais amoureuse d'elle, point. Vont-tu coucher ensemble, là? C'est long? Ben, il y a un deuxième chapitre qui suivra éventuellement. Merci de me rappeler à chaque fois. OK. Je suis très bien au courant. Ne le prends pas comme ça, Taylor. Je garantis notre avenir. Je sais. Et en parlant d'avenir, as-tu réfléchi à ma proposition d'adopter des enfants? Ah! Point exclamation. Mon Dieu! Je ne suis pas prête pour ça, chérie. Tu le sais déjà. Je ne veux pas adopter des enfants et te laisser t'en occuper toute seule car je suis très prise par le travail. Ça ne me gêne pas que tu passes beaucoup de temps au bureau. Je m'y suis habitué et je comprends que tu as une entreprise à faire marcher. Oui. Peut-être, mais je ne suis pas prête, Taylor. Je ne m'imagine pas être mère pour le moment. Mon Dieu, ça brasse dans cette histoire-là. Là. Mais moi, oui, Gloria. Ma vie n'est pas aussi palpitante que la tienne. Très souvent, je suis seule ici dans cette grande maison à t'attendre. Taylor se lève en chimère et me laisse seule avec le filet mignon tiède. Oh. Oh. C'est une métaphore pour ça. Oh, Max, voyons. Il y a des enfants qui nous écoutent. Je savais déjà que je devrais monter à l'étage pour la consoler et la rassurer, mais le problème, c'est que je ne voulais pas adopter un enfant ou des enfants d'une autre personne. Mm. Je voulais les miens. Oh. Ensuite, à chaque samedi,
pendant que Taylor se rendait à son cours d'aide aux adultes en difficulté. Je prenais une matinée de congé. Je mettais une robe qui mettait en valeur mes fesses arrondies et ma taille fine. Je laissais mes cheveux lisses retomber sur mes épaules. Je mettais du rouge à lèvres. Pas de S, donc une seule lèvre. Je fermais mon téléphone et je me rendais à la suite de l'hôtel Ritz au centre-ville de Montréal. Oh! Ça se passe ici. Ah! Je montais au quatrième étage. J'avais déjà ma clé automatisée et j'ouvris la porte. James m'attendait de l'autre côté. James est mon amant. Pum, oh, pum, pum. Elle l'a dit qu'elle n'était pas une vraie lesbienne. Et voilà. Tu es magnifique, Gloria. Deux points. James est plus jeune que moi. Il n'a que 24 ans. Il est solide et séduisant. Depuis bientôt 2 ans, on s'envoyait en l'air à chaque samedi. Oui, je suis infidèle. James, yeah. Merci, mon chéri. Alors, comment tu vas? Je rentre et ferme la porte derrière moi. À suivre. Oh là là. Ouais, et il y a déjà un chapitre 2 d'écrit, donc il le suivra éventuellement. Et est-ce que James est lesbienne aussi? On le sait pas encore. Je ne vendrai aucun punch, sauf si vous me donnez 500$ ou là, je vous dis tout. Merci. Ça me fait plaisir. J'ai composé une chanson. Mon Dieu, j'ai hâte de l'entendre. Vas-y. Je vais m'inspirer de la trame, si ça te dérange pas. Ah, je viens de l'enlever. Ça doit être compliqué à la remettre, j'imagine. J'ai fermé l'onglet. Il n'y a rien de ça. Ah, t'avais pesé sur X. OK. Ah, c'est pas grave. Alors, je l'ai. OK. J'ai essayé. C'est plus jazzy, là. Tu l'as-tu? Ben, elle arrive, là. Ce sera pas long, Dodo. ou tout autre personnage. Je suis l'esprit. OK. Sur les plages de sable blanc de Montego Bay, sous les caresses noires de Taylor. Ah, je vais peut-être juste le dire en poème, moi. Ouais, c'est peut-être plus. Slam un peu. Ok, je recommence. Sur les plages de sable blanc de Montego Bay, sous les caresses noires de Taylor, le sable nous glisse entre les doigts, comme l'amour coule en moi. L'argent comme un mur qui protège notre amour, des jugements, des murmures qui rendent l'amour si lourd. J'ai le filet mignon qui tiédit chaque fois que tu sors de ma vie. Yeah. Et quand mes pulsions me grugent gravement, je me tourne vers James, mon amant. Oh là là! Wow! Hey, ça fait mal! C'est comme 20 fois plus intéressant que ma chronique. Non, mais s'il n'y avait pas ça, il n'y aurait pas eu ça. Ouais, et voilà, il faut passer par le dur là-bas. Oh non! Est-ce que c'est l'esprit fou? Je suis l'esprit fou. Oh. Avez-vous mon 500$? Oui, on l'a, oui. Ouais. Est-ce que vous prenez les cartes de crédit? Non. Oh. Ah ben là, ça change tout. PayPal? Je suis l'esprit fou. Oui. Mais c'est votre jour de chance, car je n'ai pas vu la fin de House of Cards. Ben, mon Dieu, ça tombe bien. Heureusement qu'on n'a pas payé. Hein? Je suis l'esprit fou. Ah, c'est bon. Pourquoi vous n'avez pas juste écouté le dernier épisode? Ben... ça m'intéresse, moi, cette série-là. Ah, OK, je voulais pas vous spoiler à vous-même. Je suis fou. Oui, ça, on commence. On le sent. Ah, ça, vous êtes fou. C'est quoi de le dire? C'est bon, comme un cheval fou. D'abord, la... Hey, on est vraiment de regarder dans l'abîme de la folie. Oui, hein. Hey, mon Dieu. Ça ferait quand le monde raccroche, parce que ça nous surprend tout le temps. Ouais. Oh, l'esprit fou. Voilà, ben, il reste juste 2 minutes pour Mathieu qui va faire le poème que tu as écrit à cause de pour ma chronique. Oui, c'est vrai. Ok. Celui-là, je le fais improviser. Je me suis dit que j'allais me laisser inspirer à la dernière minute. C'est ça qui arrive. Ok. Cette année a été plus difficile au niveau des prédictions. Julien, qui était si habile, a tombé direct sur le piton. Ah. Cette année, il a un peu dérivé, comme une barge prise dans le grand vent. Mais il y aura toujours une autre année. Et Julien, je sais que tu peux te reprendre. Il n'y aura pas toujours une autre année, mais je vais être mort. Un jour, tu mourras et on s'ennuiera de toi. C'est une belle fin. Ça ne ferait pas ça parce que je vais tous vous survivre parce que je vais vous tuer. En fait, moi, je pense que quand tu vas mourir, tu vas aller rejoindre l'esprit fou. On dirait que l'esprit fou. Il m'a pas conseillé. Ben voilà, merci beaucoup, Mathieu. C'est la fièvre qui parle. Al, il te reste une minute pour ta chronique.
Ah, OK. Les bangs de Montréal. Si ça vous dérange pas, moi, je me sentais inspiré pendant, pendant la lecture. C'est pas un poème, j'ai juste écrit un haïku. C'est très bon. C'est le temps d'un haïku, bro. C'est super simple. Fait que, deux belles lesbiennes, non. Un manque de ponctuation, je suis bouleversé. Oh, ça résume merci beaucoup, mais prends ça hors contexte, là. C'est un bon statut Facebook. C'est un bon statut Facebook. Mais merci Sophie, tu te traîneras plus souvent. Merci Maxime. Hey, fait plaisir. Merci Étienne et merci à l'Esprit Fou. Revenez-nous la semaine prochaine. N'est pas une invitée. Sais-tu ce que c'est légal? C'est légal la semaine prochaine et qui vont revenir faire un tour et détruire le studio. Allez acheter leur album. Allez acheter leur album que je sais pas si c'est sorti. Ok, cool, Bandcamp.